Bonjour, frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi, votre chef à la maison qui est là avec nous. Moi, dis-nous grand merci parce qu'il nous a suivi moi. Hein. Merci pour bouche à l'oreille, nous faire pour moi. Et moi, content pour confiance nous. Ok? Je dis à la, je vais préparer un petit repas pour nous, un petit repas de Pâques. Qui me va faire une série de petits bagages que nous demandons. Et puis, dans le même live, ça me fait un monde qui te demande comment vous faire brocoli. Comment c'est là, je prends un poisson ça haut, je vais t'en nettoyer déjà. Je vais t'en nettoyer, pas un calçoli. Moi, je mange poisson salé de tilapia. Pour commencer, la question m'a posée chaque grand monde. Est-ce que le nous cuitons poisson vraiment vrai? Est-ce que nous mangeons tête la vraie? Nous ne mangeons pas. Bien sûr que nous-mêmes, dans la culture, pas nous, nous aimons ça présenter tête poisson. Mais tête poisson, nous allons conserver pour nous faire une sauce. Okay? Moi, je vais couper ça en deux. Ça, je vais faire poisson frit avec. Je vais quitter comme ça. Lorsqu'on fait une saison, toujours fait pour trois soit coupé pour rester dans plein sang. Et voilà. Pour assaisonnement, moi commencer avec poivre là avant. Moi mettre poivre. Si que ou même ou un petit piment, moi suggère ou mettre piment parce que c'est vraiment bon avec piment, OK? Qu'on a là, moi mettre épices traditionnel nous gagne pays nous d'Haïti. Bon petit coup là, mettez deux belles cuillères. Moi mettez sel, moi mettez un petit l'huile. Citron, moi mettez un citron entier. Ça c'est lui même qui vous fait le bon, OK? OK? Qu'on a là. Moi après entrer et puis ça dans tout fente côté me découper pour et puis ça entrer. Mais pas oublier à l'intérieur aussi. C'est très important dans le jus citron avec celle-là pour nous faire entrer en dedans poisson. D'accord? Qu'on a ces fêtes-là, moi quitte elle pour au moins 6 heures de temps. Et qu'on a là, mes deux petites têtes poisson. On a mal fait un petit. Normalement, ça m'a fait là, c'est les mêmes les fumées. Mais qu'on a les mêmes à faire un style de jus de poisson. Moi mettez persil, moi mettez thym. Et puis moi mettez graines de poivre. Qu'on a mis de l'eau. On va mettre un yon encore. Qu'on a quitté le noir qui sac yon jus de poisson. Ok? Petit jus de poisson qui me mettez là. Peut-être poisson. Hein? Avec si ça me mettez là dans l'outil. On sorte de petites garnitures. Qu'on a ça me fait. Je juste craser. Chercher tout le goût qui est à l'intérieur l'os poisson. Une fois que je crase là, je quitte le bouilli. Yon 10 minutes encore. Qu'on a après 10 minutes, nous disons nous avons fini craser. Qu'on a mangé tout le poisson qu'on a gardé. Moi, couler. Nous avons quitté le réduit. Mais petit bouillon là, une fois réduit, moi mets ton petit sel là-dedans. Moi mets ton petit jus de citron. Ok. Qu'on a là, moi brasse. Qu'on a quitté le réduit encore davantage. On a, après ça, la fin m'a montré nos présentations. Comme dit non, légumes, ça a dire des brocolis. Moi, j'ai un pile d'amis qui m'ont dit pour montrer comment cuire brocoli. M'a montré nous comment. D'abord, m'a montré nous comment nous nettoyons un brocoli. Ok? Un brocoli là, c'est non, ça me donne en Haïti, nous pas même manger ça. En Haïti, brocoli là, c'est tout ça, brocoli là. Ok? C'est ça, on mange. Et voilà. C'est ça ou manger. Qu'on a montré nous comment vous cuite, OK? Mais brocoli cuit dans de l'eau bouillie, mettez un petit sel, mais brocoli a qu'on a moins venir avec moi déposer dans de l'eau bouillie. Une fois qu'elle dans de l'eau bouillie ça là qu'on a là après 3 minutes de bouillon, 3 minutes pas plus, c'est déjà prêt. Qu'on a 3 minutes plus tard, moi ferme froid. On a mené. La fin de vidéo n'a pas soir était bien verte, regarde. Tiens, là, nous-mêmes, qui ça nous a fait? Pendant comme ça, ou qu'à prendre l'huile d'olive, vous mettez sous lit. Pas obligatoire, vous ne pouvez pas mettre. Mettez un petit l'huile. Moi, mettez un petit poivre, moi, assaisonnez. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas assaisonner. Ok? C'est déjà prêt. C'est bon. Ok. Ça, là, c'est un petit mayoc. Moi, mettez bouillie là. Un petit mayoc. Mettez partie dans l'eau froide. Moi, mettez un petit sel là-dedans. Pas beaucoup, là. Je vais quitter ça là pour me faire un petit acra de manioc. Là, nous regardons là, nous, manioc là cuite là, bien cuite.
On a la mbal coulé et puis nous allons le faire. Ok, qu'on a même vin avec là, qu'on a mbal crasé. Hein? Branche fil yo, branche fil qui bien dit là dans le nous pas besoin inquiéter nous parce que yo dit pas crasé lui même pas après ça. On va venir prendre un petit pince pour retirer tout. Branche qui passe dans mi-temps. Faut craser le tout chaud, hein, parce que sinon ça ne marchera pas. Ou même qui est malaxé, malaxé, il y a des ou même qui fait gâteau. Qu'on a là, ou t'es faire la veine. Ok, moi je fais la veine à la main parce que je veux nous tous qui ne possèdent pas tout bagaille pour nous, ouais, il fait ça. Si toutefois, ou pas un gros bagaille, ça tout, c'est pas un problème là. Ou pas un gros passoire ça, ou qu'après nous mettre dans le chaud, ou craser là. Ok? Mais ça me dit nous, nous disons, nous avons fini pour un gros bâton. Mes petits bouts de bois qui dans mi-temps. Qu'on a une fois que moi tire tout petit baillot qu'on a là moi mettez maillot là dans bol là. Qu'on a une fois que moi bien moi fin vide dans bol là qu'on a là mettez 5 petits fromages de la vache curie là-dedans. Là ça va dépendre de quantité toi faire qu'on aurait doit mettre plus que 5. Pas oublier que il doit toujours chaud parce que lui même pour qu'à fondre. Qu'on Georges. Moi fin bien brasser lui me fait tout fromage là bien rentrer là-dedans qu'on a là on va commencer préparer si à crame là on va faire bagaille de quenelle qui me montre nous ça quenelle c'est baillon forme en longueur avec quelque chose et voilà c'est ça quenelle OK ben et ça quenelle OK belle petite bagaille OK on va me déposer on va continuer de suite ensuite. Mais yon là, qu'on a là, grosseur était à désirer. Ça veut dire, c'est pour la carrefelle ou qu'on doit quitter grosseur, j'envle. Qu'on a là, moi-même, ça va le faire. On va le mettre le refroidi. Parce que là, nous tiens chaud toujours là. On va le quitter le refroidi puisqu'il y a fromage là-dedans. Si toutefois, on va quitter le refroidi, on va le mettre dans la friteuse là. Mais le fromage va le fondre tout de suite, bien vite. Là, ou qu'on doit mettre le refroidi dans le congélateur ou bien dans le réfrigérateur. Si vous mettez dans le congélateur, on va seulement faire 15 minutes. Si vous mettez dans le réfrigérateur, on va faire n'importe 1 heure de temps, 2 heures de temps. Ok? Après un 3-7 temps comme ça, je retire dans le réfrigérateur, regarde là. C'est sûr que si je fais le faire 2 jours, c'est mieux pour moi. Qu'on a 2 morceaux. Lui-même, ce n'est pas important si farine ne rentre pas à l'intérieur. Elle dit côté en dedans, ce n'est pas grave parce que c'est l'huile qui a gagné à ce moment-là. L'huile a rentré partout. Son chalet qui a dégagé sous lui. Chalet a rentré vraiment bien prend en dedans. Qu'on a l'embrasse commencer à faire. Poisson salé même. Toujours même principe là. Nous allons dire gros. On mettait fait tout doucement. Et puis qu'on a pour la cuite tranquillement. Pas beaucoup là. À moitié. Hein? Après une minute comme ça, moi changer le côté. Pas parce qu'elle prend là que je vais changer. Moi changer pour le cas. L'autre côté après on cuisson aussi. Qu'on y en a une fois qu'il y a avec des midi fait. Moi te mettais 5 minutes de chaque côté. Qu'on y a là. Moi augmenter le volume là. D'accord? Qu'on a mis la 8, qu'on a pour lui commencer à griller. Qu'on a là, qu'on a à peine fait 1 minute 30 secondes là, l'aime de monter 10 feu, qu'on a moins viré de l'autre côté. Ok? Donc, regardez, ce côté où il a commencé bien coloré. Parce que si vous ne faites pas ça, il y a bien crasé. Ok? Là, qu'on a là, une fois qu'il a mis de ce côté là, qu'on a mis simplement 3 minutes encore, 2 minutes encore, juste l'autre côté là, ça va être prêt. Ok? C'est prêt là. On a tout diminué le volume là parce que l'autre morceau, je vais le mettre encore. Je vais diminuer. On a juste levé la friteuse là. Je vais déposer. Avant qu'on prenne l'huile pour mettre dans l'autre assiette, il faut quitter l'huile là bien tomber parce que si on prend là, qu'on a tout de suite qui s'accrive le cas tout crasé. Ok? Qu'on a là, une fois que les ontigeants bien dégoûtés, qu'on a moins juste levé tranquillement. Et voilà. Je vais déposer l'assiette là. Et puis qu'on a là, regarde-moi belle coloration. Très belle coloration. Waouh! C'est beau ça, hein? Mais si accra de manioc là, qu'on amène là, qu'on a déposé la friteuse là. Lui-même, moi mettez friteuse à numéro 7 pour que lui-même soit capable de gens bien chaud parce que lui-même n'est pas obligé de cuire tranquille. Hein? Parce que le temps cuit déjà, qu'on a moins juste besoin de coloration. Et puis qu'on a déposé quelques graines. On a la mené la litre au maximum, qu'on a moins diminué, c'est prêt. Regarde ça. Faut pas quitter trop coloré pour le pas péter. Hein? C'est ça que nous arrivons là, l'anti-graine là, ok? C'est très très important, ça me dit noir. Faut donner juste pour un petit couleur, ok? Façon où elle est là,
croûte soit sous l'IA, son croûte qui est juste protégée. Mais tout à l'intérieur, lui, mou. Lorsqu'on met dans la bouche, il fait waouh. Qu'on aimerait faire un petit montage d'assiette pour nous, qui vraiment n'a rien à voir, qui c'est une petite nouveauté, moins pour le faire pour nous avec au niveau de une petite présentation de Pâques, ok? Regarde. Mes petits bouillons, hein, mais ça vient rester, à peine tiré 1%, c'est ça que des jus. Là, il est clair, il est liquide, il n'est pas épais, mais c'est bon, là, c'est très très bon. Mettez deux, trois petits grains de petits. Moi, mettez deux, trois petits grains à crâne de manioc. Mettez un petit brocoli. Moi, mettez un petit morceau de poisson. Hein. Et moi, mettez un petit œuf. Moi, mettez un petit bouillon là. Et voilà. Waouh. Waouh. Mani, ça sentit à cette département, ben, nous revisiter comme nous avons l'habitude de manger. Ok? Mes présentations là, c'est une nouvelle façon, une façon nous qu'à présenter une petite assiette de Pâques, un petit acra de manioc, un petit brocoli, montrer nous comment vous nous faire, nous demander pour comment pour nous cuire. Et puis avec un petit poisson, qu'on a bon regardé moi, regarde, la cuisson est parfaite, regarde-moi ça. La chair est bien blanche et ferme, c'est pas crasé, c'est pas boulé, c'est parfait. Hein? C'était JFM Cuisine Grand Chef.